Vous venez de cliquer sur cette vidéo, alors c'est que le canapé Jatebo de chez IKEA peut vous intéresser. Restez jusqu'au bout pour ne pas rater ce qu'il faut retenir de ce canapé. Jatebo s'inscrit dans la lignée des canapés à forme géométrique et modulable, à l'instar des canapés Niad de Bobo Chic ou du canapé Block de chez Cave Home par exemple. Au premier regard, il pourrait paraître banal, mais il possède des lignes épurées et des atouts non négligeables que nous développerons dans quelques instants. Jatebo est un canapé bas, mesurant seulement 46 cm du sol à l'assise. Il existe deux largeurs. La première, en 95 cm pour le module 1 place et demi, et en 70 cm pour le module 1 place. La profondeur est de 69 cm, de quoi pouvoir vous reposer parfaitement. Vous le remarquez déjà, l'esthétique du canapé a été travaillée sur tous les angles pour qu'il soit possible de l'installer contre un mur ou au centre de la pièce. Visuellement, le revêtement du canapé imite le velours côtelé. Il s'agit en fait d'une housse 100% polyester recyclé. Au toucher, il n'a pas la douceur du velours, mais ça reste agréable tout de même. La housse grise, avec un aspect feutré, vous offre la possibilité de changer de style si vous n'aimez pas l'imitation en velours côtelé. Le canapé Jatebo vous est proposé en 3 coloris. Le beige, le vert olive et le gris. Les couleurs ne sont pas nombreuses et restent relativement sobres. Les déclinaisons de Jatebo, en revanche, sont relativement intéressantes. Vous pouvez choisir le canapé 2 places et demi avec méridienne pour un petit espace, ou bien un canapé de taille panoramique pour les grands salons. L'outil de planification IKEA s'avère très utile pour trouver des combinaisons intelligentes. Vous pouvez, pour le même nombre de places, choisir une proposition alternative pour votre salon. Mais par défaut, IKEA vous propose les combinaisons de canapés Jatebo les plus populaires, comme le canapé 2 places, voire le canapé d'angle 3 places. Les amateurs de rangement et du gain de place seront comblés. Tous les modules, sans exception, offrent un espace de rangement sous l'assise. En quelques mots, sa modularité et son aspect évolutif en font un canapé polyvalent et très pratique. Autre point non négligeable, vous vous posez peut-être la question de savoir si le canapé est déhoussable. Et la réponse est oui. Le revêtement est entièrement déhoussable et lavable en machine à 40 degrés. Vous pourrez ensuite très facilement rehausser le canapé avec son système de scratch. Nous l'avons vu précédemment, la modularité est le point fort de ce canapé. L'association des différents modules se fait très facilement par un assemblage de systèmes d'accroche. Ainsi, il suffit de soulever les assises, d'enlever les fixations, de déplacer les modules et de remettre les fixations en place, le tout sans outils. Côté confort, les coussins de dossier en mousse PU ont une densité de 25 kg par mètre cube. L'assise bénéficie d'une mousse polyuréthane à haute densité, donc dite mousse froide, de 35 kg par mètre cube. Et pour accentuer le confort d'assise, le canapé Jatebo est doté de ressorts en sachet permettant une indépendance d'assise très appréciable. Pour conclure sur ce modèle, il s'agit d'un canapé relativement intéressant si vous recherchez du confort et de la praticité. Et on adore sa modularité et ses nombreux espaces de rangement. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous si le cœur vous en dit, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.